Eh bien voilà, bienvenue dans mon univers, bienvenue dans mon nouveau film Car Fishing Addict pour 2016. Je suis très très heureux de vous présenter ce film. Je voudrais juste faire une petite précision, ça concerne l'analyse des comportements des poissons qui va être faite dans la première partie. Je voudrais simplement dire qu'on sait très bien qu'aucune stratégie ne marche à 100% dans tous les plans d'eau, dans toutes les conditions. Donc il faut vraiment envisager cette partie et la regarder avec un petit peu de recul en se disant que l'objectif est d'améliorer ses résultats, hein, si possible, dans les eaux claires en pleine journée. Comment prendre des poissons très très rapidement. C'est dans cette optique-là qu'il faut regarder les premières images. Et on sait très bien que même si on les applique dans d'autres plans d'eau et que ça va marcher très très bien, ça ne veut pas dire que d'un seul coup dans un autre plan d'eau, ça sera peut-être plus compliqué avec la même stratégie. Donc voilà, cette petite précision étant faite, je suis impatient de vous présenter le sommaire et puis surtout les images qui arrivent derrière. Allez, c'est parti. Car Fishing Addict va se découper en trois grandes parties. La première partie, toujours les comportements des poissons sous l'eau, ça m'a encore bien intéressé. Et essayer justement en pleine journée dans les eaux claires de les faire manger en plein milieu du spot. Est-ce qu'il est possible de les faire manger en plein milieu du spot? Donc voilà, j'ai essayé pas mal de choses, vous verrez. Et puis, la deuxième point sous l'eau, dans les comportements que j'ai pu observer, ça concerne l'accoutumance. C'est-à-dire, on parle d'accoutumance, mais à partir de quand il y a accoutumance? Et est-ce qu'on peut détourner des poissons, des appâts qu'ils ingèrent régulièrement? Donc essayer de les leurrer avec d'autres appâts sur une zone d'accoutumance. Donc ça sera l'objet de la première partie. Alors pourquoi essayer de piéger rapidement les poissons au milieu du spot? En fait, depuis plusieurs années et dans mes derniers films, j'ai observé les comportements sur les spots, à savoir que les poissons se nourrissent toujours sur les extérieurs en premier, et ça reste encore prédominant hein, sur les images comme vous pouvez le voir. Et puis je me suis posé la question justement de savoir comment je pouvais essayer de les faire manger en pleine journée au milieu du spot, est-ce qu'il était possible qu'elles franchissent toutes les bouillettes pour aller prendre celle qui est au milieu? J'ai fait le choix de jouer sur trois couleurs différentes, à savoir le jaune, le orange et le violet, de manière à voir si je pouvais modifier le comportement des poissons. La présentation de l'appât se fait sous forme d'un petit bonhomme de neige, avec le côté coloré au-dessus, bien entendu, de manière à ce qu'il se voit bien au milieu du spot, hein, comme vous pouvez le voir sur les images, on le distingue très nettement. Donc s'il y a une stimulation, elle est visuelle, puisqu'il n'y a pas de parfum rajouté sur cet appât, c'est simplement une petite bouillette colorée qui vient se positionner au milieu du spot. Alors, pour ce qui concerne les tests avec les appâts jaunes et oranges, ce qu'on peut dire, c'est que les résultats sont aléatoires. C'est-à-dire que parfois, les poissons s'en saisissent de ces bouillettes hein, colorées, mais c'est rare qu'ils les prennent en premier, c'est-à-dire qu'ils vont déjà se nourrir avec les autres billes sur le spot, sans prêter attention à cette bille de couleur, et puis finir par la manger, dans le meilleur des cas, lorsqu'il reste peu de bouillettes. Donc l'impact, il est loin d'être immédiat. Hein, il y en a un, mais il est plutôt tardif. Donc ce n'est pas l'appât coloré qui est consommé en premier. Chose étonnante, certains poissons manifestaient des comportements de stress à la simple vue de la couleur orange. Là où d'autres, par exemple, l'aspirent, hein, cette bouillette orange, certains, eux, ont des comportements de panique. Ils ont peut-être déjà été piqués avec ce genre d'appât. En tout cas, la vue de la bouillette orange les stresse énormément. En revanche, il est vraiment une couleur où là, c'est impressionnant en termes de résultats. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai déposé une bouillette avec une couleur rose-violette en plein milieu du spot ou sur le spot, lorsque le poisson arrive sur la zone, la première bouillette qu'il saisit à chaque fois est la bouillette violette. Je vous laisse regarder les images car elles parlent réellement d'elles-mêmes, c'est impressionnant. La capacité à attirer le poisson en plein milieu du spot sans toucher les autres bouillettes, c'est ça qui est quand même assez exceptionnel.
Donc suite à cette première phase de test où j'ai pu constater l'efficacité de la couleur violette rose sur le spot, j'ai tenté la même chose sur un amorçage long terme. Donc concrètement, j'ai amorcé 2 à 3 fois par semaine à raison d'un ou deux kilos d'appât par amorçage sur une zone très précise, de manière à ce que les poissons puissent s'habituer régulièrement à consommer ces appâts au même endroit. Donc les comportements sont les suivants. De 0 à 3 semaines d'amorçage, c'est-à-dire dans les prémices de l'amorçage, il est possible de leurrer un poisson en plein milieu de la zone d'amorçage de la même manière que sur un spot, c'est-à-dire avec une bouillette uniquement colorée sans parfum. En revanche, au-delà de 3 semaines, les poissons se désintéressent complètement de la bouillette rose, violette, et mangent uniquement les appâts sur lesquels ils sont accoutumés tous les 2-3 jours. Donc je me suis dit, tiens, est-ce que vous ne pourrez pas essayer de proposer une alternative olfactive? Donc je me suis orienté sur le Mulberry, hein, la bouillette rose-violette de la gamme Dynamite Bait avec un parfum Mulberry. Et là, à partir du moment où j'ai tenté de rajouter un parfum sur la zone d'amorçage, y compris après 3 semaines d'amorçage, donc quand les poissons sont accoutumés, on a de nouveau des résultats réellement bluffants. Les poissons franchissent les appâts pour aller prendre ces bouillettes violettes dans les premières bouchées. C'est encore une fois réellement impressionnant. J'ai même poussé les tests à proposer 2 bouillettes de couleur violette au parfum Mulberry en plein milieu de la zone. Et là encore une fois, les résultats sont hallucinants puisque les poissons viennent se saisir en premier de ces appâts-là, parfois même l'une après l'autre. C'est absolument incroyable alors qu'on est sur une zone d'accoutumance où les poissons viennent manger la même chose très très régulièrement. Donc l'ajout de parfum, donc ici Mulberry à la couleur violette dans les eaux claires en pleine journée, amène un réel plus, quel que soit le niveau d'accoutumance des poissons, on arrive encore une fois à les détourner. C'est vraiment très très intéressant dans l'optique de prendre des poissons très rapidement. Vous l'aurez compris au travers de ces images, la couleur violette est vraiment la couleur idéale dans les eaux claires pour prendre des poissons rapidement en pleine journée. Et si en plus vous rajoutez un parfum, ici en l'occurrence le Mulberry, que ce soit sur un spot ou sur une zone d'amorçage, quel que soit le degré d'accoutumance, vous obtenez vraiment une association qui est détonnante et qui permet de prendre un maximum de poissons rapidement en pleine journée dans les eaux claires. Donc dernière astuce pour utiliser ces bouillettes violettes au parfum Mulberry, j'utilise des balines qui sont très très discrets, donc notamment des shod rigs, déjà tout prêts à l'emploi, hein, qui sont faits avec du fluorocarbone et donc relativement discrets dans l'eau. Et puis le point qui est pour moi essentiel, c'est le camouflage de l'hameçon. Et je camoufle l'hameçon en permanence dans les eaux claires, c'est ce qui aussi participe aux résultats que j'ai pu avoir dans les eaux claires. Donc j'utilise du camo weedlet de corps que je coupe et que je viens placer sur la rampe pour rendre l'hameçon quasiment invisible, et c'est extrêmement efficace.
Deuxième temps fort, cette fois-ci, les fleuves et les rivières, puisque moi j'ai commencé la pêche de la carpe par ces fleuves et ces rivières. Et quel bonheur de retourner sur ces endroits sauvages avec différents gabarits, différentes tailles de poissons, du courant, des herbes. Enfin, une pêche avec beaucoup d'incertitudes, mais également beaucoup, beaucoup de bonheur avec des combats extraordinaires, des poissons pas forcément très, très gros, mais quel bonheur de faire ces poissons sauvages dans ces endroits-là. Donc, ça sera l'objet de la deuxième partie.
La rivière, c'est génial. Toute noire, toute sombre, sublime poisson. Yes. Avec une grosse frayeur cette nuit, puisque le niveau est monté de plus de 3 mètres. Je me suis retrouvé avec le bed-share sous l'eau, il a fallu que je change de poste, que je déménage. Donc, ouais. Les fleuves, c'est magique, mais il faut quand même rester tout le temps vigilant. Hein. Première chose à retenir déjà, c'est qu'il n'y a pas trop de place pour l'à peu près, donc c'est vraiment du solide, tous les montages, les cannes, tout doit être sanglé, mousquetonné, vous verrez pourquoi tout à l'heure. Pas rester trop loin des cannes, hein, vous pouvez constater derrière moi, il y a quand même un débit en mètres cubes secondes assez important, donc en fait les poissons profitent, en plus de leur nervosité, profitent du courant, et donc faut vraiment être proche des cannes, avec des freins relativement bien réglés pour que la tension ne leur permette de pas trop prendre de fil. Ben voilà, il y a plein, c'est tous ces petits détails qui feront que finalement le poisson va finir dans l'épuisette. Donc en rivière, lorsqu'il y a pas mal de courants, comme c'est le cas derrière moi ici, j'affectionne particulièrement la pêche des contre-courants. Une pêche de bordure avec donc le courant qui va revenir, qui va créer un tourbillon, et les poissons viennent généralement bien se nourrir, hein, dans ces contre-courants, et à la limite entre le contre-courant et le courant, là on a des zones vraiment très très intéressantes à pêcher. Alors pour voir où se trouve la limite, souvent en surface on a des petits tourbillons et on voit la limite entre justement le courant qui va dans un sens et le contre-courant qui va dans l'autre. Et ce qui est intéressant quand même pour le visualiser vraiment, c'est de jeter un traceur, c'est-à-dire que quand vous faites par exemple tremper du maïs, le liquide blanc que vous allez jeter à la surface de l'eau, quand vous allez jeter votre maïs pour amorcer, donc quand il va prendre le courant, vous allez voir comment il va se séparer et où est-ce qu'il se sépare. Et ça vous renseigne exactement sur là où se situe vraiment la limite entre le contre-courant et le courant, en tout cas en surface. Donc on peut imaginer que c'est intéressant de poser la ligne pile à la limite entre le contre-courant et le courant. J'ai rencontré des gens super sympas sur la rivière qui m'ont bien aidé aussi. Et voilà, je tiens à les remercier et je me suis vraiment éclaté dans cette pêche cette année à retrouver des sensations fortes. Allez, je les partage avec vous. J'espère que ça vous donnera envie d'aborder un peu plus la rivière.
c'est qui déjà? Ah oui, la sangle et le mousqueton. Ouh là là, oui. Sinon... Aïe, aïe, aïe. Yes! Le départ de Cinglé. C'est elle. Voilà. Pourquoi il faut attacher ses cannes en fleuve? Voilà. Démonstration par A plus B. Je crois que je pouvais pas mieux lui demander. Extraordinaire. C'est pas génial ça? Oh, ce poisson dingue! Incroyablement puissant. Ce magnifique petit poisson, regarde cette couleur. J'adore. Bah voilà, tu me régales. Celle-là, elle n'est pas volée. Celle-là, elle a claqué. Oh la vache. Yes. Ça fait plaisir. Là, il y a un sacré poisson de fleuve. Merci Yannick, hein. Super fiche. Ouh. Allez, à l'arbitre d'eau.
C'est tellement beau là avec le lever du soleil. On va aller la chercher un petit peu quand même. C'est dommage de la perdre. Là c'est le miroir. Il y a un beau poisson. Yes! Oh la vache Robin Red! Excellent! Oh cette pépite! C'est pas beau la rivière? Oh, c'est magique! C'est magique! C'est magique! Allez, va. Troisième point, ce sera les temps forts, tous les temps forts de ces deux dernières années, puisque j'ai eu le bonheur de pouvoir tenir de très gros poissons, donc je vais les partager avec vous aujourd'hui. Et également le bonheur de pouvoir apprécier la nature à sa juste valeur, et j'ai essayé justement de la mettre en valeur avec des images au ralenti, donc j'espère que vous apprécierez cette dernière partie autant que moi je l'apprécie, c'est une de mes préférées, avec bien sûr des temps forts hein, sur les toutes les sessions qu'on a pu faire avec mon pote Cyril ou moi seul, enfin voilà, tout ce qui donne envie d'aller au bord de l'eau et tout ce qui me pousse à mettre ma caméra en route pour justement essayer de capter ces petits moments qui vont vous plaire. Ça vient de sauter juste derrière moi à la seconde, je regarde, c'est vraiment pas loin de la zone d'amorçage. C'est juste à côté des montages, donc je vais quand même y retourner parce que la caméra est branchée, mais du coup les cannes sont quand même à l'eau. Thank you.
trop beau. J'ai la chance d'utiliser un produit très performant, je voudrais vous montrer quelques astuces. La première, ça concerne cette fenêtre-là qui est de deux couleurs. Je vais la mettre en grand. Je suis sur une séquence que j'ai déjà enregistrée, je suis en train de la relire. Donc je voudrais vous montrer un petit peu l'utilisation. Donc là, on est dans le mode downside, donc on voit en deux dimensions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on distingue très nettement et très très rapidement le dur du mou. Tout ce qui apparaît en rouge est plutôt dur, tout ce qui est vert est plutôt mou. Et vous avez également, en plein milieu, une petite ligne blanche qui marque très nettement la limite entre le fond et les herbes. Tout ce qui pousse, tout ce qui est au-dessus de la ligne blanche, c'est du dépôt, des herbiers, des choses comme ça. Donc ça, c'est un mode que j'utilise très très souvent. On s'aperçoit très bien qu'ici, on arrive dans une zone où on a pas mal d'herbes. Ça se confirme d'ailleurs sur les deux autres écrans. C'est l'avantage de ces triples fenêtres, voire quatre fenêtres en même temps. C'est qu'on peut confirmer en permanence ce qu'on observe de chaque côté. Et là, on arrive vraiment dans une zone complètement intéressante. Puisqu'ici, regardez, là, on arrive vraiment sur deux au fond. Donc on va aller regarder un petit peu plus. Ici, on a deux au fond très, très, très intéressants. On le voit très nettement. On va pouvoir aller dessus. L'avantage, même en mode relecture ici, c'est qu'on va pouvoir aller dessus très précisément en disant, tiens, je vais aller voir de ce côté-là. La pente a l'air relativement raide. Je vais essayer de zoomer un petit peu sur cet élément-là. Donc effectivement, on voit que c'est une pente très abrupte. L'avantage, c'est que si je veux marquer mon point GPS exactement à cet endroit-là, je peux le marquer. Je fais waypoint. Waypoint, ça permet de marquer ce point GPS. Vous le voyez ici, c'est mon point GPS numéro 21. Donc, à partir du moment où il est marqué, je vais pouvoir aller directement sur cette zone, dès que je le souhaite. Et bah, l'avantage, là, c'est que vu le hotspot ici, à mon avis, ça sent quand même l'autoroute à carpes, des carpes qui risquent de venir tourner autour. Je crois qu'on va essayer de l'exploiter pendant cette session. On va aller voir ça de plus près et puis on va voir les résultats. Il y a touche pour Cyril, donc là j'en profite encore un petit peu, 25,4, elle est énorme. Non, c'est léger, t'as raison, ouais, c'est léger, tu vas en chier tout seul, je te l'annonce. Hein. Pas paniquer, ça veut rien dire, c'est pas parce que t'as un maillot du PSG que tu fais du quartier. Ouais. Là mec, elle est pas du PSG, hein. Fais pas du karting. Allez, go. Il y a des cartes qui sautent.
Ça saute. Va falloir s'occuper de ça. Vas-y, faire. Si, vas-y. Ça c'est bon. Ouais, ce poisson de malade. Super fiche. Ouais. Oh. Incroyable. J'ai les bras tétanisés, mon pauvre. C'est la fin, hein. Ça y est, allez, ciao.